Mais coucou, bienvenue pour cette vidéo avant de faire dodo. On va s'attaquer au tournoi raid de cette semaine. Ma défense, quant à elle, ne tient pas la route à première vue. Je me suis cassé la figure ici, 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 et là ça a été. Clairement, je pense que mon défaut c'est peut-être le 3 étoiles potentiellement. Et que le soigneur, je l'ai là, mais vu qu'il est sur le coin, bah, il tarde à soigner. C'est un peu ce que je craignais. Plus de 1000 jours, je suis dans mon alliance. Oh la vache, le temps passe vite. Ok, bon, bah, on va voir si je peux m'attraper sur l'offensive. Alors, toi, tu me sembles inévitable à obtenir avec toi. Et bien sûr, ces deux-là. Et avec ceci, pourquoi pas? Non, plein de maîtrise. Alors, on peut changer cette de là. C'est plutôt une troupe qui met du soin. Toi, critique. Toi, ça. N'aurait pas être si mal. Que c'est parti, mon kiki, on va voir ce que ça donne. Le poser est pas si moche. Nickel, j'ai déjà deux cumuls, c'est assez chouette. Et ben, parfait, comme ça tech, tout le monde a déjà fait un max de positif. Les tuiles rouges devraient faire relativement mal. Le canard va mourir avec les tuiles violettes. Inutile du coup de m'en occuper. Préoccuper. Tata, on va baisser la défense de tout le monde. On va faire péter le violet. Et bah, c'était propre. Pas grand chose à dire. On continue sur cette lancée. Après, on va pas se cacher. J'ai aussi un excellent puzzle. Ça a bien aidé. Tic, du rouge, c'est cool. Rebelote du violet. Normalement, j'ai mon petit fantôme qui devrait nickel être prêt. Parfait. Alors Ametrine va me débuffer mon cauchemar que je déteste tant. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qui me reste? Tac, tac. Tic, tic. Des survivants, mesdames et messieurs. Non, mon compte de force était très propre, pas grand chose à dire. On continue. Bah, lui, il a les deux tueurs. J'ai pas encore mis au niveau. J'ai pas encore commenté mon tueur d'ailleurs qui est 4 étoiles vert. Or là, bon, en l'occurrence, le vert est interdit, du coup, ça m'aura filmé les jambes. Mais ça vient de me faire tilter, je l'ai toujours pas mis niveau supérieur. Faudrait bien que j'y pense. Comme ça, j'aurais vraiment mes trois tueurs 4 étoiles. Alors, tac. Tic, toc. Pérégrine. Dommage, je l'aurais désaiguillé avant si j'avais su. Ça ne fait pas trop de dégâts. Ah, j'ai le violet qui arrive. Oh, j'ai une fois 3 avec la maîtrise. Oh, top! Alors, on baisse la défense et colère une grosse claque. Nous d'esquive. Bon, on va bien jouer. Mais ça sera un carré-pied de courte durée. Alors, Mister Faux-Follet, tu dégages. Et toi avec les tuiles, tu dégages. Bon, encore une fois, c'était propre. Pas encore chose à dire. Et on continue. Et
On va essayer d'attendre d'avoir le cumul avant de jouer les rouges. Parfait. Voilà. Tac. Ils sont solides en face, mine de rien. C'est marrant, je disais justement en faisant la vidéo des costumes ce matin, ils ont sorti notamment le 2.0 de Utao que je ne voyais presque jamais. Bah là, regardez, il fait un petit coucou. Comme quoi, l'exception à la règle. Après, pourquoi le mettre en bas booster de bonus? Peut-être parce qu'avec le bonus que tu donnes, il fera plus de dégâts. Soit, mais ça reste très futile. Enfin, à mon sens. C'est à mon humble avis. Alors, je vais me tâter de le dégommer avec ça et les 4 tuiles. Non, gros mauvais calcul de ma part. Alors, tac, tac. C'est drôle. Il manque de défense contre le vert alors qu'il n'y a pas de vert dans ce tournoi. Si ce n'est que ça donne un peu plus d'attaque, mais perso, je l'aurais pas mis pour ça. Ça commence à être dangereux tout ça. Hop. Alors toi, est-ce que tu pourrais mourir? Merci. Est-ce que tu pourrais mourir celui qui est là avant qu'il attaque? Merci. Le débat de soins pour un tour. J'ai pas spécialement un tour à attendre, parce qu'en plus tu augmentes aussi la défense. Hop. Alors, tac. Ah, dommage, je l'avais une fois 3. Bon, c'est pas grave. Toi, t'es une voyou, c'est ça? Ouais, du coup, tu peux esquiver. Est-ce que tu veux esquiver ces deux attaques? Alors, l'une, oui. Et pas l'autre. Est-ce que tu vas réesquiver? Nope. Alors, il y a eu un peu plus de dégâts, mais ça reste bien. Et pour conclure, presque full saison 1 avec un bon collègue en tank. Ça devrait faire mal, la suivance qui va t'arriver. Alors, tac. L'idéal serait de pouvoir jouer mon fantôme avant que Colin attaque. Comme ça, moi j'augmente ma défense, ce serait cool. Il semblerait que c'est exactement ce qui va se passer. Au tour près. Purée. Plus 44 de défense, il a quand même fait du 500 sur tout le monde. Hein. Il cogne. Cogne dur. Alors ça devient dangereux tout ça. Alors déjà on va baisser la défense de tout le monde. Par la suite, tac. Voilà. Et en suivant, on va plutôt attaquer cela. Ou bon, bah franchement, ça va. Tac, bon, ma foi, c'était assez propre. C'est rare quand je fais une vidéo de tournoi raid qui dure moins de 10 minutes, ça n'arrive pas tous les jours. Top 5, malgré le sans faute, les meilleurs ont quand même 2-300 de plus et des poussières. Purée, une équipe à 5 000 $, c'est full 4 étoiles. Allez chercher l'erreur. Oh purée, nom de nom. Oh purée, 5 000. 4 008, ouais. 5 002, 4 009, 5 000. 5 002, 5 002. Bah, top 10, il n'y a que du 5 000 à peu de choses près. Moi, je suis à 4 002. Moi, je suis petit. Bon, j'aurais pu monter à la rigueur. Elle est à 4 003 si j'aurais mis un 4 étoiles ici. Mais bon. En tout cas, l'attaque est dure. Ma défense, poubelle. On verra ce que ça dure sur la semaine.
à très vite, et ciao ciao!